Yo, nana tout le monde, comment allez-vous? Alors oui, on fait un autre jeu de Black Ops 3, oui. Alors voilà, je l'ai dit dans une ancienne vidéo, ou je sais pas si je l'ai encore dit. Bref, Custom m'a donné Battlefront, merci beaucoup à toi Custom, c'est pour toi bébé. Et puis voilà, on fait des vidéos sur Battlefront, beaucoup m'ont demandé, voilà, est-ce que tu vas acheter Battlefront et tout. J'ai dit non, je n'achèterai pas ce jeu, la méta m'avait déçu. Mais finalement, Custom me l'a donné, donc voilà, on fait des petites vidéos dessus. Merci à toi Custom, et je vous propose qu'on aille jouer au mode escarmouche. Parce que voilà, ça me fait plaisir. Ce mot est tellement beau qu'il me donne envie de jouer. Escarmouche, c'est parti. Alors, ce n'est pas ma première partie que vous allez voir là. J'ai joué deux parties et demie, on va dire. J'ai joué deux parties et demie juste avant d'enregistrer cette vidéo. Parce que voilà, je voulais un petit peu jouer au jeu. Et puis, j'avais pas le temps vraiment d'enregistrer une vidéo. Mais là, je me suis dit, tiens, on va prendre le temps d'enregistrer une vidéo. On va jouer sur Battlefront. Alors j'ai joué à la bêta, pour ceux qui se demandent, j'ai joué beaucoup de temps à la bêta et le jeu m'avait plu, mais sans plus. C'est pour ça, alors, escarmouche, campement, Jawa. Waouh, c'est vraiment extraordinaire. Donc j'ai joué à la bêta et le jeu m'avait plu, mais sans plus. C'est pour ça que je me suis dit, ça vaut pas le coup de l'acheter. Bon, franchement, c'est un jeu sans plus qui m'avait pas excité tant que ça, donc je dis, ça vaut pas trop le coup de l'acheter. Donc je l'ai pas acheté, mais Custom me l'a donné, tant mieux, on peut y jouer. Et on peut vous faire des vidéos pour toi, petit viewer. Hein, merci beaucoup. Alors, déverrouillage, ouais. On va y aller. Alors, moi, je trouve, j'y ai joué 2-3 parties, comme je l'ai dit, mais le jeu est vraiment pas mal. Alors, le camp qui abat le plus d'ennemis l'emporte, détruisez l'ennemi. Je voulais un mode qui ressemble à match à mort. Est-ce que c'est ça? Aucune idée. Alors là, j'ai l'arme de base, le E11, qui pour moi, vraiment... 30-31, ouais, c'est un genre de match à mort, bref. Vraiment, l'arme de base est pas mal, hein. Pas mal, l'arme, par contre, la map m'a l'air trop grande, par contre, là, faut pas non plus déconner. Faire des maps qui mesurent 4000 km, faut pas non plus déconner. Bref, le jeu est beau, je dois l'avouer. Ah ouais, par contre, là, la connexion pue, hein. Connexion pue beaucoup. Hey, salut! Hey, salut! On a fait quoi? On a fait 2 kills, yes! J'aurais peut-être dû aller en point strat, parce que les maps sont... Les kills sont beaucoup plus rapprochés en point stratégique. Ah ouais, franchement, les maps sont très très belles. Elles sont vraiment jolies, hein, regardez ça. Elles sont bien faites. Après, le jeu, voilà, me plaît, mais sans plus, comme je l'ai dit. En plus, j'ai l'impression que c'est vraiment facile à tuer, hein, franchement. Peut-être parce que j'ai une connexion de folie, hein. Bon, pas non plus de folie tant que ça, mais... ça m'a l'air assez easy way, easy shit. Salut! Hey, tu m'as pas vu, hein? C'est la surprise, wouh! Ouais, si tu pouvais ne pas me bloquer, s'il te plaît. Ouais, ouais, ok, ouais, je suis Keblo, je suis dans ma parano. Ça y est, je suis débloqué. Bloqué, débloqué. Quelqu'un qui va arriver là, non? La minimap over cheaté, hein? Ah ouais, la minimap, c'est comme si, ouais, salut, je suis l'ennemi. Ah, il y a du monde! Ah! Je sens quelqu'un qui va arriver là. Non? Verrouillage. Quoi? C'est quoi verrouillage? On m'a verrouillé? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Je comprends rien à ce jeu. Où sont les ennemis? Allô? Ah, salut! Salut! Tu m'as fait une petite surprise! Tu m'attendais? C'était la fête? Oh, c'est le fait! Bon, ce jeu. Non, ce mode de jeu en fait un peu trop lent. Escarmouche. Aussi lent qu'une mouche. Hein, le dicton le dit. On est pour l'instant sur un score de 4 kills, 3 morts. Bon, j'entends de me dire que le jeu est trop facile, mais en fait, point stratégique, tu fais beaucoup de kills, je trouve. Hein. La partie est beaucoup trop longue, c'est pour ça que je l'ai pas faite. Sur YouTube, j'ai pas envie que les parties durent 4 ans. Salut, ça va? Salut, tu pourrais mourir un peu? Un petit peu seulement. Hop. Oh yes! Ah, ça existe aussi sur Battlefront! Moi, je me suis dit, c'est only Call of, c'est merde! Non, c'est aussi sur Star Wars Battlefront! Non, franchement, les maps sont jolies. Je suis pas déçu du graphisme et tout. De toute façon, EA sait faire les choses en grand quand ils le veulent. Mais le jeu est sans plus, hein, vraiment. Je préfère jouer un... Ça va, tu m'enlèves mid-life. Tu me mets mid-life avec une balle. Ça va. Mais voilà, je préfère jouer un bon Black Ops 3. On a 3 barres de connexion. Hein. C'est pour cela que je lag un petit peu. Je préfère jouer un bon Black Ops 3 qui pour moi est vraiment performant, même s'il y a des petits lags, hein, qui font que le jeu des fois pue du cul, il faut le dire. Mais franchement, le jeu, voilà, sans plus. Tu fais des kills, t'as l'univers Star Wars, mais voilà. Le jeu, il est pas là en train de te draguer, tu vois.
Alors Black Ops 3, pour moi, il me drague. Le mec, il est là. Ouais, salut bébé, tu fais quoi ce soir? Alors que Star Wars, il est là, il croit que quoi? Que je vais faire moi ça tout seul? Que je vais le draguer moi-même? Non! Non, si tu veux que je joue à ton jeu, c'est à toi de me draguer. Qu'est-ce que tu veux? En plus, tu me mets des grenades que je ne connais pas, qui viennent d'un autre univers. Boum! Alors, salut! Hey! Hey, salut! Qui d'autre? Qui d'autre veut faire la fête avec moi? Viens! Viens, on est bien! Regardez en plus la minimap qui nous dit vraiment où sont les ennemis exactement. Ça, par contre, la minimap, faudrait l'améliorer. Franchement, je suis pas pour. Hein. En fait, on voit où sont les ennemis. C'est bien d'un côté, mais d'un côté, c'est pas bien. De toute façon, il y a toujours des points positifs et des points négatifs sur un jeu! Sinon, où est l'intérêt de faire un jeu? Aucun. Et on va botter ou mourir! Allez, on se casse! Là, allô, ah, salut! Et ah, on est mort. On est mort, Slam ici, 58. Ah, peut-être qu'on va. Attends, attention, hop. La partie est bientôt finie. On va bientôt gagner. On va bientôt gagner. Ah, non! Ah, la partie est bientôt finie. C'est parti, hop. Hop, hop. Concentrons-nous. Est-ce que on va le faire? 99, 92, la tension est à son comble. Est-ce qu'on va faire le dernier kill? Eh oui! Eh oui! Nous sommes le mec qui a fait gagner notre équipe. 2 secondes, les gars. Je vais vous dire au revoir dans 2 secondes. On revient tout de suite. Attention! Bon, on est de retour. Vous savez quoi? Parce que je me suis absenté. Parce que je me suis absenté, on va faire une deuxième game. Allez, c'est parti. Moi, je suis comme ça. Une deuxième game, on y va. Allez, hop! Allez, hop, hop, hop! Escarte mouche! On est sur quelle map? Duc du palais, j'ai rien vu. Ah, cette map allait pas mal. Allez, on peut aller dans l'eau. Hop. Nageons dans l'univers de l'eau. Waouh, c'est génial. Alors, cette map est très jolie. Ce n'est à vous le dire, j'ai joué à une seule map durant la bêta. Alors, où sont les points rouges? Là. Là, il y a un kill streak à ramasser, attention. Qu'est-ce qu'on a eu? Frappe orbitale. Voilà, hein, encore une histoire de beat. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne comprends rien à ce jeu, je ne vois rien. Les univers... Ah, là, il y a un mec. Hop. On va booster nos headshots, voilà. Bim, bam. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a jamais... Nos balles sont jamais pas où, hein. Pour ceux qui ne comprennent pas le parler local, hein. On n'est jamais en rupture de balles. C'est illimité. Puisque ce sont des lasers. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on peut avoir ça? Non. Je sais pas, je ne comprends rien. Hop, on va mettre une frappe orbitale ici. Voilà, boum. Attention, il m'a vu. Et boum, tu t'es fait avoir par la bite. Alors, on fait moins le malin. Moi le malinx. Le malinx. What the fuck? Qu'est-ce que tu fais là, dans le noir? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec là, il y a un ennemi, non? Il est mort. Muerte. Muerte. Es la merde. On est en série, les gars. On va essayer d'avoir la nucléaire. Ah, salut, ça va? Salut, ça va? On est en série, les mecs. On est en série de 6-0. 6-0. On va essayer d'avoir la nucléaire, les gars. Déjà, de débloquer le UAV, ce serait pas mal. Il n'y a pas de killstreak, hein, les gars. Si vous avez cru qu'il y avait des killstreaks sur Battlefront, vous êtes un petit peu dans votre paranoïa. Attention, j'arrive dans le spawn. On va pousser. Ah là là là, je t'ai vu! Je t'ai vu! Et tu meurs, tu meurs. Voilà, tu meurs du cerveau. Voilà. Hop. On est en série de 8-0, 8-0 les gars. La nucléaire est faisable, possible. Ok, il y a des ennemis, ils m'ont vu. Je les attends un peu, non? Est-ce qu'ils vont me voir si je fais le comeback? Attention. Hop hop hop. Là. Mince, on est mort. 9-0 les gars, 9-0 pour une série, c'est pas mal. Série télé. Hop. Alors, on est en avantage là, notre équipe, on est à 39-28. Par qui il se fait tirer dessus? Est-ce que je peux savoir? Cette map est vraiment pas mal, hein. Elle est jolie, elle est nette, il y a vraiment des points de... Ah, salut, ça va? Alors, t'es venu pour mourir, pas pour te laisser pourrir, pas n'importe quel vent qui circule. Hashtag Maléco le philosophe, écoute. Et toi, ça va? Toi aussi t'es venu pour te laisser pourrir, pas n'importe quel vent qui circule. Salut, je vous ai vu les connards, je vous ai vu. Eh, hey, venez, il ah, y a des campeurs, comme d'hab, tous les jeux, tous les FPS, il y a des campeurs. En tout cas, tiens à le dire, hop, faut dénoncer, hein. Le campisme, hein? Campisme, aucun lien. Avec le mot campeur. Ah, droïde, c'est quoi ça, droïde? Est-ce que ce serait pas comme une unité GI? Salut, ça va? Et il m'a eu, mince, on était en série de 5. Non, les gars, c'est franchement ce jeu est kiffant. Hein.
Ce jeu, je commence à y prendre plaisir parce que c'est assez simple, il faut le dire. Assez simple à tuer. Je n'ai joué que à la bêta, mais je n'ai jamais joué au jeu complet. Mais le jeu... Comparé à Black Ops 3, j'ai envie de dire, en fait. Voilà, c'est ça. Je sais pas si c'est moi ou... Je pense que tout le monde a autant de facilité à tuer avec. Franchement, ces zones de Dark. Hein, de la Dark Forest. Pas mal. Ça installe une ambiance, hein. Ambiance de Fallout. On va déployer notre petit robot. Hop. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je sais pas qu'est-ce que le robot fait. Je n'ai aucune idée de ce qu'il peut produire, de ses capacités. Est-ce qu'il peut ramer la Havaï qui nous va? C'est la question que tout le monde se pose. J'ai sauvé mon partenaire. Sans moi, je suis là, les teammates. Hein. Vous avez besoin d'aide, voilà. Appelez au 44-44-22. Hop, hop, hop. Cette vidéo risque d'être longue, mais bon, c'est pour votre plaisir, les gars. Sans les vacances. Et puis, moi, je vous fais plaisir. Ah! Qu'est-ce que tu veux à me tuer? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que t'as une dent contre moi? On a tué un Stormtrooper! Oui! Je sais même pas si c'est ça leur nom. On est en 16-3, les gars. Allez, allez, allez. En plus, on est en 69. Quel chiffre? Vraiment, hein. Ces bugs de texture, là, ça me rappelle Battlefield. Allez! C'est quoi ça? C'est quoi ce truc bleu, là? Arrêtez! Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi dans ta life? Le mec il est là en train de danser le Harlem Shake tout seul, c'est bon quoi, c'est bon. Allez hop, voilà, toi c'est cadeau aussi, hop. Salut, ça va? Hey, salut, ça va? Tu vas bien? Tu fais quoi? Tu fais quoi ce soir? On s'appelle? On mange un petit café ensemble? On mange un café, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors, j'aimerais bien débloquer un nouveau fusil, genre un sniper et tout. Fais des scopes, fais des montages, hein, face maps, represent. Alors les ennemis, vous êtes où? Allô? On va aller chercher ça. C'est un killstreak gratos. Gratos comme le Tintos. Comme les Doritos. C'est quoi ça? Actualisateur de je sais pas quoi. Oh là là, ce jeu est trop compliqué. Oh my god, ils sont tous là. Je comprends pas. J'ai activé le truc là. J'ai activé le truc actualisateur de cartes ou whatever. Je comprends pas. On en a pas la moyen. What the fuck, Bulbaki? Le mec il a un pseudo. Quoi ça? Je comprends pas. J'ai un truc réactualisateur de 4 ou whatever, ou je sais pas qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça s'appelle. Mais apparemment ça fait rien. Non, c'est... Alors t'es mad avec ton petit pistolet qui pue le zizi là? Et toi? Hop, voilà, meurs. Attends, le noscope est passe bueno bueno. Buena noche, hein, en la casa ça. Hey! Qu'est-ce que tu as à te balader? Tu penses que quoi? Tu peux te balader tout nu comme ça? Non! Je ne pense pas! Habille-toi! Mets des vêtements, je sais pas moi! Cache-toi avec des feuilles! Et toi donc! Allez! Ils en spawn là-bas! Attention, il nous reste 5 kills avant la victory! La victory, elle est pour nous! Allez! Là, je t'ai vu! Voilà! La facilidad! Le dernier kill, on a gagné! Et on finit avec un score de... 24 et 5 morts, c'est vraiment exceptionnel. Vraiment zik exceptionnel de Star Wars. Ça, c'est les points positifs. Franchement, ce jeu est vraiment kiffant. Tu t'y prends. Hein. Franchement, à jouer avec des collègues, je pense aussi que c'est bueno. Plus grand nombre d'élimination 24. On est premier. Waouh. On a notre petit avatar. Non, moi j'ai mis une poule, mais ça s'affiche pas. Pourquoi? On est déjà à rang 6. What? Qu'est-ce que ça? On est déjà à rang 6. Eh ben, en tout cas, pour ma part, ça m'a fait plaisir de jouer à ce jeu qui est, ma foi, exceptionnel. On est rang 7. On passe rang 7. Je ne comprends rien à ce jeu. Je ne comprends rien à ce jeu, mais bon, on a des gameplays de qualité. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a duré longtemps. Ça fait quoi? 14 minutes? Bref, je vous fais des gros bisous. C'était Mamzol. Ciao, bye bye. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt sur la chaîne. Passez de bonnes vacances. Et puis bonne fête de fin d'année encore une fois. Au revoir. Ciao, bye bye.